pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu, c'est pour un mini haul action. Oui, exceptionnellement. Ça fait un moment que j'ai pas été à Action pour acheter du matériel de loisirs créatifs. On y est allé aujourd'hui, mon chouchou et moi. Mon chouchou, c'est mon mari, pour celles qui ne connaissent pas. Parce qu'il s'est mis au coloriage, ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant. Donc, il avait déjà acheté les feutres et les crayons de couleur normales d'Action. Et puis, bon, on en avait acheté aussi sur Amazon. Et là, il voulait acheter les feutres à alcool. Voilà mes mères. Il voulait acheter des feutres à alcool d'Action. Donc, et là, vous avez mon pépère. Tout le monde est là aujourd'hui. Il voulait acheter des feutres à alcool. Et donc, on a vu qu'il y avait encore les grosses boîtes. Donc, on en a profité. On a pris les grosses boîtes. Et du coup, j'ai vu arriver en caisse que c'était pas les mêmes que d'habitude. Voilà, ce sont des nouveaux. Ce sont des nouveaux feutres à alcool. Donc, je vais vous les montrer. Donc, les boîtes sont pareilles, vous voyez. Mais les feutres en eux-mêmes ne sont pas pareils. Alors, je vais regarder. Il a ouvert ses boîtes déjà. Est-ce que je vous montrerai un dessin qu'il a fait tout à l'heure avec? Donc, voilà, il y en a 36, voyez. Donc, on a trouvé que deux boîtes. Je ne sais pas s'il n'y a que deux boîtes. Donc là, c'est les couleurs vives. Et la deuxième boîte que je vais vous montrer après, qui sont les couleurs un peu plus tendres. Donc, on a trouvé que ces deux boîtes-là. Donc, je ne sais pas s'il n'y en a que deux. On a fait deux actions aujourd'hui, on en avait trouvé un donc, dans le mien, dans le nôtre, à Quai Brochin. Et l'autre boîte, donc celle-ci, celle que je viens de vous montrer, on l'avait trouvée aux actions de Marly, à côté de Valenciennes. Et donc, comme je vous disais, quand on est arrivé en caisse, en attendant notre tour, je regardais l'étiquette et je me suis aperçue que c'était pas du tout les mêmes que l'on avait avant, parce que là il y a toujours la pointe fine. Vous allez avoir un petit pépère derrière moi. Il y a toujours la pointe fine comme d'habitude, voyez. Voilà. Mais de l'autre côté, il n'y a plus la grosse pointe, le gros marqueur, vous savez. Maintenant, c'est un brush, donc un pinceau. Voilà. Alors, je vais poser. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est le pinceau. Mais bon, c'est un pinceau, mais c'est quand même une pointe quand même assez dure quand même. C'est pas les pinceaux comme ils avaient fait pendant un moment, vous savez. Donc voilà, ça fait, je vous montre ce qui est écrit, j'espère que c'est pas trop flou. Voilà, donc ça fait, là maintenant ça fait pointe fine et broche. Voilà, on n'a plus le gros marqueur, la pointe gros marqueur comme on avait avant, de l'autre côté. Donc là, comme je viens de dire, il y en a 36 dans la boîte. Bon, ça n'a pas changé, hein, c'est comme les boîtes d'avant. Donc, dans celle-ci, on a la couleur bleu, shadow, le frost blue, le pastel bleu, body bleu, le royal bleu, le jade green, l'aquamint, le turquoise blue, le mint green. Après il y a les roses, orange, le fluo orange, le light orange, le couleur anisé. Après il y a les violets, donc le lavande, le purple,
le lavande plus foncé. Il y en a un clair et un foncé. Voilà, alors, je vous montre. Alors, désolé, ça fait flou, mais je suis devant mon ordinateur. Là, ce soir, comme vous voyez, je suis en bas. Voilà, donc ça, c'est la première boîte. Non, Pépère, tu ne manges pas mes câbles. Voilà, donc ça, c'est la première boîte. Et donc la deuxième boîte, la voici. Voilà les couleurs qu'il y a dedans. Voilà, j'essaie qu'il n'y ait pas trop la lumière dedans. Donc, vous voyez, il y a tous les gris. Donc on a tous les gris, on a un gris très foncé qui est presque noir même. On a des marrons, donc du plus clair au plus foncé. Et on a encore des roses et des parmes un peu. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de... Je pense qu'il y a de double, je n'ai pas vérifié. Alors... Non, il n'y a pas de double. Bon, ça, c'est déjà bien. Donc, je vais vous montrer. Non, non, non. J'ai Pacha qui veut manger mon écouteur. Voilà. Donc, ça, voilà les couleurs de la deuxième boîte. Voilà. Donc... il en est content. Pour lui, c'est la première fois qu'il se sert de feutre à alcool. Donc, il a trouvé ça très bien. Et je vais vous montrer donc le premier dessin qu'il a fait avec. Donc, il fait des coloriages. Là, pour l'instant, il fait des coloriages avec les numéros. Donc, voilà ce que ça a donné avec les feutres à alcool. Et ça donne vraiment bien. Je vais le remettre dans sa pochette. D'ailleurs, on voit la différence avec des autres feutres, par exemple. Non, Pacha, ils vont faire des bêtises. Voilà, un autre dessin qu'il avait fait, donc avec des autres feutres. Et vous voyez, on voit quand même une différence. C'est beaucoup moins vif ici que ici. Donc, il s'amuse à faire ses petits dessins en ce moment. Il en fait plein. Là, je vais ranger ses dessins. Ben oui. Salut. Il n'y a pas chat. Alors voilà, on avait acheté ça, donc normalement on était parti que pour ça, et je me suis pris 2-3 petites choses pour moi. Ah oui, les feutres, les boîtes feutres sont à 10,90 € je crois, mais enfin je sais que ça dépasse les 10 €, donc je crois que c'est un peu plus cher que qu'avant. Je crois qu'avant on les payait moins de 10 €, mais là bon, ils sont à 10 € passé, ça doit être 10,90 je crois. Voilà. Et je me suis acheté donc les nouveaux tampons et dyes de Noël. Alors je sais pas combien il y en a exactement, mais là j'ai trouvé les 4, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Je ne sais pas s'il y en a plus. Donc, ça, c'était... Pareil, j'ai perdu mon ticket de caisse. Mais bon, vous avez l'habitude à un des prix. Donc, voilà. J'ai pris le sapin avec la petite tasse avec les guimauves. Voilà, il y a les deux dies. Donc, il y a un dies pour couper la petite boule. Et le dies pour couper... La tasse. Voilà. Ensuite, j'ai pris
Celui-ci avec les étoiles, enfin les flocons de neige plutôt. Voilà. Donc il y a le dies pour découper la phrase. Donc et we wish you a Merry Christmas. Voilà. Et il y a un dies pour couper les flocons de neige. Voilà, donc ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est avec le bonhomme de neige, la petite maison, la branche de houx, le petit nœud, et le dies pour découper le bonhomme de neige. Le dernier, donc le numéro 4, c'est les boules de neige, voilà, comme ça. Donc le dice pour couper les boules de neige et les phrases. Alors, it's a wonderful time et jingle bells. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas grand chose avec, pour la nouvelle, avec la nouvelle année, comme d'habitude. Mais bon. Donc, ça, les tampons, je vous dis, je ne sais plus combien c'était. Je crois que c'était dans les 1,90€ aussi, je crois. Je ne sais plus. Et j'ai pris des classeurs d'embossage. Donc, je ne les ai pas tous pris parce qu'ils ne me plaisaient pas tous. Donc, j'ai pris... Mais moi, je les prends toujours en 15-15 puisque c'est la... Pour les cartes, que quand je fais des cartes, c'est la dimension que je fais. Donc, j'ai pris celui-là avec tous les sapins. Voilà. Donc, on voit derrière. Donc, il y a 5 modèles normalement. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas pris celui-là et je n'ai pas pris celui-là. Il ne me plaisait pas. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc là, il y a l'année en même temps. Il y a Merry Christmas et Happy New Year. Donc là, c'est bien parce qu'on peut faire une carte pour les deux. Et celui-là, pareil. Voilà. Donc, a very Merry Christmas and a Happy New Year everyone. Oh, j'ai un accent pourri. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les classeurs d'embossage que j'ai pris. Par contre, les classeurs d'embossage, ça je me rappelle, ils étaient à 89 centimes. Et je me suis pris juste un bloc. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est pour celles qui n'ont pas encore vu. Alors c'est des feuilles simples. Donc, il y en a qui ont du foil. Oups, j'étais trop vite. Oh, bah alors. Je vais faire comme ça. Les petits sapins. Voilà, celui-là qui peut aller sur tout. Et tu t'énerves pas. Celui-là. Celui-là, alors là, il brille, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Celui-là, qui brille un peu. Les petits bouquets de houx. Celui-ci et celui-ci, voilà, il n'y en a pas d'autres, non, voilà, donc là vous voyez hein, les dessins devant, donc ça c'est 1,99€.
Voilà, donc je n'ai pris que celui-là. Donc, vous voyez, bon, c'était assez, assez mini. Et là, oh là là, voilà, il me l'a grignoté. Moi, je m'en doutais. Il m'a mis ses dents dessus. J'avais acheté ça, mais là, ça fait un petit moment déjà, mais je ne m'en suis pas encore servi. Il vient de me mettre ses dents juste sur l'étiquette. Donc, je l'avais pris en verre, comme ça. Et j'avais pris en même temps, ce jour-là, les stickers, comme ça. Il n'y avait que ce paquet-là de stickers. Donc, je ne sais pas s'il en existe encore d'autres maintenant. Mais bon, on verra. Et donc, j'avais il y avait les carnets dedans. Et j'avais racheté des carnets en plus. Parce que là, normalement, il n'y en avait que 3 dedans. Moi, j'en ai rajouté un. J'ai rajouté celui qui fait calendrier. Parce qu'il n'y était pas dedans. Donc, les autres, ceux qui étaient dedans. Donc, calendrier, ça fait la couverture comme ça. Donc ça c'est celui que moi j'ai rajouté, ça c'est celui qui était dedans avec les lignes, comme ça, donc celui-là c'est avec les petits les points, et là celui-là avec des lignes blanches, voilà. Bon, là je m'en suis pas encore occupée, j'ai pas trop le temps, hein, vous le savez, en ce moment avec le salon, ben, j'ai pas le temps, mais je vais m'en occuper pour le décorer, pour le mettre en route. Je sais pas encore ce que je vais mettre exactement dedans. mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait, tout ce que j'ai pris à Action. De toute façon, bah, sinon c'est toujours la même chose. Hein, puis il n'y a pas grand chose de vraiment nouveau. Sur Action, donc on avait dit surtout c'était pour donc pour les feutres là, et je vous dis, bah, j'étais étonnée de voir que c'était vraiment des nouveaux, et là bon, il a l'air très content de les avoir. Là maintenant on attend une commande, bah, qui a, normalement devrait arriver demain, du coup j'aurais peut-être dû faire ma vidéo demain, mais bon, je la referai, j'en referai une certainement dans la semaine peut-être pour en parler, parce qu'on s'est commandé, donc on s'en est pris une chacun, parce que moi je fais du coloriage aussi, comme ça on va pas se bagarrer pour les crayons, on s'est pris des crayons de couleur, je sais plus la marque, c'est une marque connue, c'est pas les Faber, hein. C'est une autre marque. Et là, donc, il y a 120 crayons de couleur dedans. Et donc, ils sont rangés sur 3 plateaux. Mais bon, ça, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse pour vous montrer. Et je ferai un dessin avant, peut-être, un coloriage. Comme ça, vous verrez ce que ça fait. Voilà. Bon, désolé, j'ai une sale tête. Hein, il est tard, là, déjà. Enfin, oui, il est 10h20. Je suis un peu fatiguée, surtout en ce moment, avec la préparation du salon. Là, je suis en train de terminer une boîte. Je voulais la terminer ce soir, mais je pense que je ne vais pas réussir à la terminer ce soir. J'en ai... depuis la vidéo de... ben, l'avant-hier, voilà. J'ai refait déjà 2 nouvelles boîtes. La troisième là que j'ai faite cet après-midi, que je dois terminer, donc il sera terminé demain. Et je devrais encore en faire une quatrième et peut-être une cinquième, voilà. Et après je pense que ça devrait aller pour mon stock pour le salon. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo, bon, qui ne durera pas très très longtemps, mais elle dure quand même un peu plus de 20 minutes, vous aura plu. Bah dites-moi si vous avez eu ces nouveaux feutres, ce que vous en pensez. Et puis
ce que vous en pensez, si vous vous en plus, si vous les avez trouvés dans votre action ou pas. Je vous dis, je pense pas qu'ils sont chez Action depuis longtemps, ceux-là. Je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'ils étaient en promo il y a... Je crois il y a 15 jours. Je crois qu'ils ont dû les mettre en promotion il y a 15 jours. Et qu'ils seraient donc là depuis ce moment-là, je pense. Voilà. Donc voilà. Mais écoute, je sais rien. C'est Géry qui est à côté, qui est en train de se gratouiller l'oreille. Géry. Bon, je vais vous laisser donc pour ce soir. Je vais vous faire à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais bon, je pense que vous verrez la vidéo demain matin. Là, je vais faire le montage, mais le temps qu'elle se mette sur YouTube, ce sera le matin. Donc, je vous souhaite en même temps une bonne journée. Je voulais en même temps souhaiter la bienvenue à mes... J'ai regardé tout à l'heure dans les coulisses de mon YouTube. J'ai eu sur presque un mois 80 nouveaux abonnés. Donc, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que ma chaîne vous plaît. Et en même temps, ben, pour vous dire qu'on arrive bientôt aux 3000 abonnés. Donc là, on est à 2850 passés. Donc les 3000 abonnés arrivent bientôt. Donc il y aura bientôt un concours... pour ça, donc je pense que le concours se fera au mois de novembre. C'est toujours pareil, à cause du salon, je n'aurai pas le temps de m'en occuper avant, mais il y aura un concours normalement au mois de novembre pour vous remercier d'être si nombreux sur ma chaîne. Voilà, et donc comme je pense que j'avais déjà expliqué sur une des vidéos, ce sera un concours avec trois thèmes. Comme ça, il y aura trois lots avec trois thèmes. Et vous pourrez vous inscrire sur les trois thèmes, si vous le souhaitez. Mais bon, on reparlera tout ça le moment venu, au moment du concours. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.